Nous y sommes. Voilà, je récupère la fenêtre du chat en même temps. Bonsoir à tous, je vois que ça arrive tout doucement. Je pense que vous me voyez, que vous m'entendez, du moins j'espère. Voilà, bonjour, c'est l'Olivier, ça arrive tout doucement, on va attendre voilà, que tout le monde reçoive bien la petite notification, que tout le monde arrive. Je suis avec donc Stéphane, qui est dans son studio à Toulouse. Donc on va être en duplex, comme on dit, hein, comme les vrais, comme on dit, les émissions télé. J'ai pas fermé ma porte, tiens, regarde, hop, voilà, je vois dans le retour. Comment ça va Stéphane ? Super. Ouais, alors on a un petit décalage de son, forcément, parce que le flux du son passe par un autre système qui est un petit peu différent. Donc voilà, on va essayer de fonctionner comme ça. De toute façon, je pense que ça devrait aller mieux maintenant. Une fois qu'on sera parti dans le vif du sujet, de toute façon, ça ira mieux. Donc Stéphane, tu es à Toulouse, comme je disais. Tu as un studio, tu es ingénieur du son. Je suis à côté de Toulouse. Voilà. Oui. Depuis pas mal d'années, bon, nous on se connaît, voilà, on a plein d'amis en commun. De toute façon, le milieu du son est petit finalement, donc on travaille tous plus ou moins les uns avec les autres. Donc, dans la série des lives que j'ai déjà proposés, on a fait quelques petits ateliers et on m'a demandé de faire un truc autour de la pop, de l'électro, de tout ça. Et je me suis dit, tiens, bah, je vais appeler Stéphane parce que je sais que lui, il fait ça beaucoup. Tu travailles avec des grands artistes, des grosses productions. Et tu vas nous présenter un titre sur lequel tu as bossé récemment, c'est ça ? Cet artiste, ce producteur, je bosse avec lui depuis quelques années maintenant. Mais ce titre-là qui a finalement été choisi via le biais de ton sondage, voilà. C'est un titre que j'avais mixé en 2017, il me semble. D'accord. Donc Aaron Taylor, on l'a vu. Les autres étaient plus récents, mais celui-ci a été plébiscité. Ben voilà, donc c'est cool, j'aimais bien ce titre en plus. Tu m'avais proposé les trois et je me suis dit, tiens, ils sont tous bien. Donc, ouais, c'est une bonne idée. On va demander un petit peu, on a fait un petit sondage, je ne sais pas si tout le monde l'avait vu sur le groupe Facebook. Et puis on s'est dit, tiens, voilà, on a eu une majorité, on va dire ça comme ça, une grande majorité pour ce titre-là. Donc j'ai envie de dire, attaquons. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Grosse session. Oui, pas mal de pistes, effectivement. Qu'on voit là. On voit ton écran. On a le son donc, qui passe avec Audio Movers. Donc la qualité du son sera là. Moi, c'est un petit peu ça qui m'importe. Hein. Les flux de caméra et tout ça, pour moi, c'est secondaire. On fait avec ce qu'on a. Eh bien, écoute, je te laisse faire. Il y a le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, bien évidemment. J'ai créé, je le dis parce qu'on me l'a demandé, donc je ne suis pas encore tout à fait à l'aise avec ça. J'ai créé un petit Discord qui permet de réagir beaucoup plus rapidement, tout ça. Alors, j'ai mis 2-3 liens par-ci, par-là. Il y a un peu de monde qui est venu dessus. Donc, peut-être qu'après, voilà, après la vidéo, pour continuer à poser des questions et puis échanger en toute convivialité. C'est un peu plus rapide que Facebook, c'est vrai. Bon, c'est sympa. Voilà, je ne connaissais pas spécialement cet outil-là. Je trouve ça pas mal. Il y a le lien dans le commentaire juste en bas, s'il y en a qui sont amateurs de ça. Et puis, bien sûr, il y a le chat. Moi, je suis derrière. Je réponds. Et puis voilà. Formidable. Comme à la maison. Stéphane ? Je te laisse l'antenne. Comment ? Je te laisse l'antenne. Oui, merci Nicolas. Pour expliquer cette session un peu pop, électro, avec des influences un petit peu afro, parce que cet artiste-là a des influences de Guadeloupe, même si il bosse avec... ici en featuring avec Shiloh, qui a bossé notamment avec le grand producteur américain... c'était René Jerkins, il me semble, oui, qui a bossé sur un des derniers Michael Jackson. Donc Shiloh était invité à faire des voix là-dessus. Tout a été composé, donc produit, on dit produit en français, réalisé par Aaron Taylor. J'ai eu la session, donc mixée, session Pro Tools au départ. Ce qui m'arrange bien, on va dire, pour de la musique pop, c'est la plupart du temps ce que je reçois des sessions Pro Tools, même si je peux... récupérer évidemment des audios, etc., en format OMF ou AFF. Mais là, c'était pour le coup en session Pro Tools, donc j'ai reçu de la session et énormément de pistes. Mais en même temps, c'est, j'ai envie de dire, c'est common dans ce style-là. J'ai à peu près
140 pistes. On peut voir ici. Ce que je vous propose d'abord d'entrer, avant de s'y jeter plus en détail, c'est d'écouter d'abord le rough mix, c'est-à-dire la mise à plat en français. C'est parti, je vous fais une petite écoute de la mise à plat telle que l'artiste l'avait déjà prémixée lui-même. Énorme session. Ce que vous venez d'écouter, donc c'est la mise à plat qui a été faite par le producteur. Ce qu'on va écouter maintenant, c'est un bout de mon mix direct. La même chose, donc le mix final qui a été approuvé après quelques petites, ce qu'on appelle les révisions, quelques petites retouches faites en commun avec l'artiste et moi-même. Pour attaquer directement dans le vif du sujet, ce que j'aime bien faire sur les grosses sessions avant comme ça et sur les sessions d'une manière générale, c'est l'organisation, ce qui est pour moi très très important, d'organiser les pistes évidemment, de les regrouper, là ça avait été déjà fait en l'occurrence, mais de rajouter des bus pour la batterie, pour les percus, si ça n'a pas été fait. De rajouter aussi des bus pour mes effets, les effets que j'importe qui sont déjà dans un template, dans une session que j'ai gardée dans Pro Tools. Je crée une session à mes templates. Ce sont tous les effets qui sont la plupart du temps inhérents aux effets de voix. Et aussi quatre bus qui me servent à router et qui me servent éventuellement à sortir de ce qu'on appelle des stems. Et là, donc, on a un bus de batterie total qui s'appelle All Drums. On a un bus de musique et un bus qui concerne toutes les voix. Ça me permet de muter rapidement, directement, chaque groupe de batterie qui comprend les percus aussi, la musique, toutes les voix. Tout ceci part directement dans une autre auxiliaire dans Pro Tools, qui est ma piste master, qu'on explorera tout à l'heure. Et directement, normalement, couché, printé sur une piste audio, comme ceci, qui me sert à
tourner, à printer le mix et à éventuellement tourner différentes versions si je dois tourner des versions qu'on appelle TV track où on n'a juste pas le lead vocal si les gens veulent chanter la chanson sur un plateau TV. Donc c'est une sorte de version instru mais avec tous les chœurs, une version a cappella, une version avec uniquement tous les claviers, etc. Ce qu'on appelle tous les stems. Donc c'est beaucoup plus facile par ce biais-là en tout cas. Sans plus tarder, éventuellement, on pourrait commencer par ce qui est une partie plus importante dans la pop, c'est-à-dire directement tout l'aspect batterie. Donc, j'aime bien organiser par couleur, forcément, comme beaucoup de monde. La batterie, ça sera chez moi d'une certaine couleur, ensuite les percus. J'organise batterie, percus, et ensuite on a tout ce qui est instrument rythmique comme la basse, et ensuite arrive directement tout ce qui est clavier. Ici, pas mal de petits sons interventionnistes, style bruitage, etc. Et ensuite on arrive directement à toutes les parties, directement toutes les parties de voix, tout ce qui est lead. Ici, la lead a été splittée, a été divisée sur une partie de refrain. Et ensuite, tous les chœurs. Il y en a pas mal ici. J'ai eu pire, mais on a pas mal de chœurs aussi. Des pistes de chœurs. Sachant que toutes les pistes de chœurs ont été chantées par la même personne. Pour ce qui est du kick, qui est l'élément, on va dire, un des plus importants. Dans la musique pop, électro, on a ici, sur cette session-là, trois kicks. Ça peut varier d'en avoir beaucoup plus. On a un premier kick qui joue sur cette partie du couplet qu'on appelle verse, sur lequel je n'ai pas effectué grand-chose. Qui paraît un petit peu bizarre, on va dire, de filtrer à 50 Hz sur un pied, sur de l'électro. C'est volontaire, j'avais vraiment quelque chose qui me gênait ici, et c'est surtout que j'avais derrière dans l'idée de laisser passer en fait ce sub en plus. Stéphane, n'oublie pas que quand il y a du son, on ne t'entend pas. Hein. Voilà. Parce que tu as donné des On ne m'entend informations. pas? Oui, quand tu joues, souviens-toi, tu as le mute automatique. Donc du coup, voilà. Je t'écoute, Nicolas. Oui, je disais, quand tu Comment? lances le... quand tu fais tourner le Pro Tools, ça ne... on n'entend pas ta voix. Puisque tu as le mute Oui, automatique. d'accord, c'est Voilà, vrai. c'est pour ça. Donc on n'a pas entendu le début de C'est un petit ta... rappel, exact. Voilà, Merci. c'est normal, c'est du direct, c'est... Tout va bien se passer. Je vais essayer d'y penser. Donc, je vous fais goûter avant, après, et je parle après. C'est mieux, Nicolas? Donc voilà, ce cut que j'ai fait avec vraiment une pente assez raide, on va dire 24 dB par octave, ce qui est assez important, c'était vraiment dans l'idée de laisser passer ici ce sub, cette basse qu'on doit entendre si de l'autre côté vous écoutez avec un casque. On va y revenir dessus en détail. Pour, en tout cas, ce couplet, cette grosse caisse qui est sur le couplet. Il y a une autre grosse caisse qui après joue tout le long du refrain, sur lequel par contre j'ai pas mal appliqué de traitement, etc. On va voir en détail. Donc sur ce couplet finalement en fait pas grand-chose à part au niveau de la batterie, au niveau de ce qui est programmé en tout cas.
Quelques petits roulements interventionnistes ici. On peut voir en détail. Juste petit nettoyage fréquentiel. Un limiteur. En fait, j'aime. Par souci. Ce limiteur travaille un petit peu et il y a aussi une couleur qui me plaît dans ce limiteur qui est un vieux plugin chez Waves et je m'en sers assez souvent sur la basse, ça peut être sur des voix pour enlever quelques crêtes supplémentaires des fois. Voilà, si on écoute 100. Rien de dramatique, c'est juste manière de tenir un petit peu plus le son. On a un autre kick qui joue ici sur une partie ce qu'on appelle de build, c'est-à-dire une montée avec un. J'ai rien appliqué comme traitement dessus. Ça ne nécessitait pas mes oreilles, donc du coup je n'ai strictement rien fait sur cette partie-là. Ensuite viennent les percussions qu'on verra tout à l'heure. Il y a vraiment uniquement cette partie-là qui joue. Le gros du titre, on va dire, tient sur cette grosse caisse du kick ici. Kick chorus pour le refrain. À écouter avec les différents traitements. Donc là, beaucoup plus drastique. Encore un petit nettoyage dans le sub. Il y avait quelque chose qui me gênait. J'ai appliqué un petit peu de bas vers 88 parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant de rajouter ici de l'assise sur ce pied. On va écouter avec et sans. Un pied qui était une grosse caisse qui était un peu dure, donc du coup, si on écoute sans l'EQ, on se rend compte que j'ai finalement utilisé pas mal de tracts de. J'ai fait un EQ plutôt qui est dans l'optique soustractive en fait. Un gate juste après. Tout simplement parce qu'en fait il y avait une résonance dans cette grosse caisse dans la longueur qui me gênait. Et pour moi, c'était au niveau du groove de la batterie, dans le titre en lui-même, ça me gênait vraiment. Et donc du coup, j'ai décidé de gater pour raccourcir la longueur de ce kick. On va écouter avec et sans le gate. Il y avait un petit peu un côté, ce qu'on appelle vulgairement, ballon de basket qui me dérangeait un petit peu, donc du coup j'ai gaité. On reste dans les plugs qui sont fournis avec le Pro Tools, avec ce bon vieux 1176 Bomb Factory, qui n'a strictement rien à voir avec le son d'un vrai 1176, entre guillemets, mais par contre, si on le prend comme il est, en fait c'est un compresseur qui est intéressant. Voilà. Petite note par rapport au fait qu'il y a deux versions, il y a deux versions, une version en DSP donc pour Pro Tools HD, ce qui est le cas, ce qui est le système dans mon studio. Et en fait, pour ceux qui ont la version DSP ou natif, vous essayerez en fait en poussant l'input,
En fait, on a une distorsion qui est plus importante sur le plug version DSP. C'est plutôt intéressant. Ça peut donner des résultats assez surprenants sur de la voix, en tout cas. À tester si vous avez ces deux versions de plugin, en tout cas. Donc, un petit peu de compression très très légère. Un release plutôt médium, ce que je fais pas d'habitude. Pas un release rapide, parce qu'un release rapide allait du coup donner beaucoup plus de longueur. Et on a compris en fait que c'est une longueur que je ne voulais pas au niveau du son. Donc du coup, un release assez long et un temps de retour assez long. Un autre bon vieux plug de chez Waves qui veut me rajouter du sub. Là, j'avais choisi une fréquence à 36, réglée de façon très très douce, on va dire. Je pense que si vous avez un casque ou un caisson de basse chez vous, vous entendez largement la différence. D'autres traitements. J'ai un send qui part directement dans une machine hardware, donc c'est un compresseur. Et si on regarde mon routing, ce send-là part directement. Ce send-là part directement dans un insert hardware, ici. Et cet insert hardware, donc du coup, c'est un 33609. C'est une version assez courante du 33609. Et en fait, c'est un compresseur stéréo que j'ai ici délinké. Il est en double mono. Et donc, en fait, j'utilise un des deux côtés pour compresser la grosse caisse. Et l'autre côté va servir plus tard pour la caisse claire. Voilà. Donc, je peux vous faire écouter avec et sans la compression parallèle. Avec une réduction de gain pour la compression parallèle qui n'est pas non plus énorme, l'aiguille bouge de 2-3 dB maximum. Voilà, donc ça part déjà, ce kick-là part dans un 33609. Pour ajouter une attaque supplémentaire, parce que ça n'avait pour moi dans le titre, ça le nécessitait, j'ai ensuite envoyé ce kick-là dans un autre compresseur. Celui-ci est un compresseur type FET, c'est un 1176, par contre hardware. Et ce compresseur hardware, je pense que Nicolas, tu dois avoir les photos, peut-être, à nous mettre à l'écran. Ce compresseur hardware, lui, n'a récupéré que la grosse caisse, que ce kick-là en tout cas. Son retour est ici et l'insert est là. Même si c'est nommé DBX160, dans mon patch, c'est un 1176 Universal Audio pour la version. L'aiguille bouge pas énormément, ça module, ça réduit à peu près de 2-3 dB maximum en fait, et avec un ratio de 4 pour 1 et un retour par contre assez rapide sur le coup. Je vais vous faire écouter le même kick sans les deux compressions parallèles. Et comme on dit chez nous dans le sud, plus c'est plus, comme on peut toujours faire toujours plus. Un autre compresseur en parallèle, Stahlevel, compresseur à lampe, compresseur mono qui n'a rien à voir avec les deux autres précédemment cités. C'est un compresseur à lampe qui est un compresseur de type Varimu et j'aime bien le bas médium de ce compresseur que d'habitude j'utilise sur des voix ou sur de la basse. Et là, je me suis rendu compte en fait en réouvrant la session que j'avais utilisé ça en compression parallèle sur le kick. Pourquoi pas si ça marche et en tout cas ça me plaisait bien quand je l'avais mis. On va écouter.
Sur le stat level, la réduction de gain est vraiment très très légère. C'est plus un effet de couleur en fait, que je cherchais avec ce compresseur-là. La batterie sort également dans un bus entier. Il y a un bus qui s'appelle drum bus ici. Tout est routé en sortie. Ça rentre ici dans ce drum bus sur lequel j'ai encore un insert hardware. Et donc cet insert, c'est un compresseur API 2500. Je pense que Nicolas doit avoir une photo avec les réglages à l'écran. Sinon, c'était un ratio de 2 pour 1 et un release pareil rapide sur ce compresseur-là. Ensuite, un plugin de chez Slate Digital qui est un plugin qu'on utilise la plupart du temps sous le master, qui est un plugin avec une section de compression que je n'ai pas utilisée pour le coup. Donc elle est bypassée. Il y a une section qui est assez intéressante et qui sert un petit peu de maximiseur. Et j'aimais bien la couleur de ce plug. Je manquais encore un petit peu de punch pour ce kit de batterie. Donc j'ai rajouté ce plug-là. Et en tout cas, ça marche bien cette combinaison. Et ici, un dernier limiteur un peu old school de chez Waves que j'aime bien aussi. Et juste pour grappiller quelques petits dB, histoire que la chaîne de master ne fasse pas tout le boulot. Et de raboter quelques transistors légèrement. On peut écouter toute la batterie avec cette chaîne directement appliquée. Voilà pour ce premier kick. Autre élément important du groove de ce titre-là, c'était vraiment cette caisse claire-là. Sur lequel il y a une EQ. Et je vois qu'en fait, il y a juste 5 dB à 120 Hz, c'est une EQ qui est assez large, c'est pas, on ne fait pas trop de chirurgical avec ce genre d'EQ. Wave HLS. On va écouter avec et sans. Le but du jeu, comme on peut l'entendre, c'était vraiment de ramener du poids, de l'assise à cette caisse claire. Ce qui manquait cruellement, en tout cas, au son de base. Un peu de distorsion. Un plugin que je pense qui est assez connu maintenant de pas mal d'utilisateurs, c'est le Decapitator. Decapitator, j'aime beaucoup le mode E. Je ne sais plus du tout quel mode ça émule, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce mode-là, on va écouter avec et sans. À noter qu'en fait, je n'utilise pas le réglage à 100% avec le mix wet dry, je suis à peu près à 60% du mix. Un plug qui est inclus dans le Pro Tools, qui est très intéressant, le Lo-Fi, qui ramène du niveau mais aussi de la distorsion. Tout ceci ayant pour but évidemment de que la caisse claire perce un petit peu dans le mix, sinon on va dire qu'elle était assez triste, même si le choix du groove était vraiment excellent.
quelque chose qui a été rajouté subtilement en fait dans au niveau de ces caisses claires là. J'avais l'idée en fait de rajouter un petit délai très très court. On est de l'ordre du ce qu'on appelle un slap, on est à 136 millisecondes avec un mix directement. Il n'est pas envoyé en scène, donc il est directement sur la piste avec un mix qui est quasi faible. On est même pas à 2 sur le bouton du mix directement. On va écouter avec et sans. Et le but du jeu, c'était de prolonger en fait l'effet du groove de la caisse claire. C'est volontairement pas calé au tempo, mais par contre, ça rajoute une longueur à la caisse claire qui m'a permis de ne pas utiliser, vous voyez ici, du tout de reverb en fait. La reverb, je ne l'ai pas utilisée, j'avais une piste de reverb sur laquelle le producteur avait rajouté, si je me souviens bien, une altiverb. Et je n'ai pas utilisé son plug du tout, et j'ai préféré mettre en fait à la place un délai pour rajouter quelque chose de plus intéressant, on va dire, toujours pareil, dans le but que le titre groove. Notre 33609 avec le côté gauche, donc un envoi assez conséquent vers le Niv à nouveau. Donc on va écouter la piste du Niv avec et sans. On notera que ça rajoute évidemment une coloration au niveau de la caisse claire. Une autre envoi. L'envoi vers le stall level, beaucoup plus modéré. On va écouter ici. Et toujours ce compresseur à lampe qui ramène vraiment une couleur ultra intéressante. Les deux combinés. On peut écouter donc grosse caisse caisse claire. Autre élément important de ce groove, c'était le charlet, et donc au niveau du hi-hat, comme disent nos amis anglais, un nettoyage fréquentiel très important, avec carrément un cut énorme, 24 dB par octave, jusqu'à 240, on va écouter avec et sans. Une distorsion supplémentaire sur ce charlet avec quelque chose que j'adore faire sur les charlets en fait, c'est ce plugin Devil Dog qui émule une machine qui était le Devil Dog de chez Shure, le Level Lord de chez Shure, pardon, qui était une espèce de préampli qui servait auparavant dans les années 60 dans les stadiums pour amplifier la voix. Il avait un son plutôt assez crunchy, un petit peu dégueulasse pour parler poliment. Et donc cette émulation du Shure Level Lore qui a été portée sur la plateforme Soundtoys est très intéressante. Elle amène une distorsion que j'aime beaucoup sur les batteries. Et là, je l'ai utilisée sur le Charleston, avec heureusement un bouton de mix wet dry qui était ici entre 2 et 3. Je n'ai pas appliqué le bouton le darkness qui est un filtre pour couper pas mal d'aigus. Et par contre, j'ai laissé en slow ce paramètre slow fast joue énormément pour moi sur le groove et l'attaque du son.
Et c'est vraiment à essayer à chaque fois que vous utilisez ce plugin, vraiment de jouer sur slow et fast. On va écouter avec et sans. Ce qui est très intéressant avec le Divi Lock, c'est que ça amène une certaine épaisseur qu'on n'avait pas auparavant dans ce Charlet. Voilà pour la batterie. En tout cas, pour cette partie-là, j'avais vérifié qu'il n'y a pas d'autres éléments. Tiens, juste pour amener On passe. des petits compléments, Stéphane, parce que j'ai une espèce de réaction vive sur l'utilisation du compresseur. Parce que c'est vrai que pour le commun des mortels, un compresseur va servir à réduire la dynamique. Et c'est vrai que sur les sons que tu reçois là, on voit clairement qu'en termes de dynamique, bon, c'est pas. On va pas dire qu'il n'y en a pas, mais voilà. Donc là, on voit bien que toi, ce que tu veux, Oui. c'est du grain, c'est de la couleur, c'est vraiment dans ce but-là Absolument. que tu. Voilà, on est bien d'accord. C'est pas pour canaliser le son en soi, si je puis dire. On est bien d'accord. Non, pas du tout. C'est vraiment pour chercher, là en l'occurrence, du punch, du punch, du punch, et aussi de la couleur. Alors, quand tu dis punch, pour moi, Une couleur qui est amenée par les machines. voilà, moi j'associe ça au volume. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que, au final, le fait de cumuler, comme tu Aussi. le fais, voilà, des compressions parallèles, ça rajoute du volume, en quelque sorte, Bien grossièrement. sûr, ce qu'il Voilà. faut maîtriser aussi, c'est le fait d'empiler tous ces compresseurs et toutes ces compressions parallèles. C'est le fait de, comme on est dans la boîte, au final, on est dans un séquenceur qui n'autorise pas, même si maintenant la marge de manœuvre est plus importante, mais qui n'autorise pas non plus un headroom énorme, on ne bosse pas sur une console analogique. Donc, Ouais. le but du jeu, c'est quand même, avec tout cet ajout de volume, de maîtriser ce qu'on appelle le headroom. Voilà, c'est ça. Voilà, quand Critique d'art me dit De bien faire attention à ça. qu'est-ce que le punch, voilà, moi j'associe ça au volume. C'est vraiment ce qui donne une sensation de d'énergie, c'est qu'un son va être entre guillemets fort. Arrête-moi si je me trompe, Stéphane, mais Oui, c'est un peu ça l'idée finalement. bien sûr. Voilà. Oui, du contrôle pour, comme tu as pu le voir sur la piste de Charleston, mais surtout du contrôle et du punch, et amener pour moi du groove qui manquait un petit peu Oui. sur la version qu'on a pu écouter sur la mise à plat. Le groove, Le c'est but du les. jeu, c'est d'amener du groove, et comme c'est Voilà. évidemment un titre qui est voué à être dansé, on va dire, le fait d'avoir tous ces compresseurs-là, c'est le fait d'amener du groove. Voilà. Le groove, c'est les nuances, l'inertie des machines qui amènent des petites variations de volume. Voilà, je traduis tes paroles Oui, absolument. parce que c'est vrai que je vois les réactions, parce qu'un compresseur, ça peut faire peur, mais. Là, on est clairement dans de la cuisine, quoi. Je veux dire, on est en recherche de l'esthétique. Voilà, donc c'est vraiment dans ce sens-là que. Moi, je suis pas spécialiste de la pop, mais j'ai l'impression de comprendre ce que tu fais comme ça, quoi, si tu veux, tu vois. Donc là, on est En vraiment dans sachant, ce. si on regarde bien à la finalité, que je compresse pas tant que ça. Oui, tout à fait. Alors, c'est Parce vrai qu'en qu'on. fait, On voit pas les vues mètres, parce que j'ai mis les photos, on les a bien vues tout à l'heure. Mais effectivement, les vues mètres sont très bas, tu l'as dit d'ailleurs. 2-3 dB maximum, mais en fait, c'est l'ajout de toutes ces compressions parallèles qui permet d'augmenter et le niveau, l'impression de Ouais, Sony générale, on va c'est dire. ça. On l'entendait bien quand tu faisais les bypass et tout. On l'entendait clairement. Très bien. Et aussi, très important, l'ajout des machines avec les réglages que j'affectionne évidemment, et de les choisir, un petit peu comme des épices quand on cuisine, c'est le fait d'amener de l'épaisseur en fait au son. Ouais. Il Bah ne oui, faut parce pas que ça. oublier que tous ces là, dans ce titre-là et dans la pop en général, à part la voix ou certains instruments, tout est du VST au départ, tout est un instrument virtuel qui est Bah fait à oui. partir de boucles, etc. Ça n'a rien, ça n'enlève strictement rien au talent des producteurs. En tout cas, c'est juste qu'en fait, la pop est maintenant produite et composée comme ça. Mais charge à nous, ingénieurs du son, d'amener le plus de vivant possible, le plus d'épaisseur et le plus d'intelligibilité aux pistes qu'on nous amène, en tout Oui, bien cas. sûr. Ah oui, tout à fait.
Et le nerf de la guerre, ça va être évidemment un travail sur le grave et l'infra. Eh oui. En tout cas, sur ce type de musique. Bien sûr, bah oui, bien sûr, bien sûr. Yes, yes, yes. Voilà. J'espère Voilà. que ça vous aide à comprendre un petit peu la philosophie de la chose. J'ai l'impression que oui. Voilà. Ah, c'est important. Est-ce que tu veux que je réponde à d'autres questions Bah, éventuellement? non, je pense qu'on est pas mal. Alors, il y a des débats, je vois, sur le volume moyen, les sorties. Je pense qu'on verra ça peut-être sur la fin. On en reparlera. Parce que ça Quand aussi. j'aborderai directement la piste de master? Voilà, parce que souvent c'est aussi des choses qui préoccupent beaucoup de gens, le niveau de sortie générale, à quel niveau en mastering. Mais tu nous feras écouter aussi le mastering, enfin, tu vas nous parler un peu de tout ça. On va y venir, on va y venir. Oui, j'ai ensuite Voilà. la piste de mastering qui est à vous faire écouter, Ouais. qui est finalement le titre final qui est sur YouTube en tout cas. Ouais. On y viendra. Je pense qu'on a fait le tour du kit de batterie en tout cas, de tous les traitements qui ont été appliqués. Les éléments très importants sur ce titre-là, c'était vraiment tous les instruments percussifs. Donc là, sur cette piste-là, juste un traitement de nettoyage. Le but toujours étant de laisser passer, de laisser de la place aux éléments qui nécessitent du grave, évidemment la grosse caisse et tout ce qui va être basse, 808, etc. Donc un nettoyage ici fréquentiel. Pareil sur cet élément-là. Ici, j'ai rajouté encore ce plugin de distorsion qui est inclus dans Pro Tools, qui est fabuleux. Ce plugin Lofi, en fait, avec juste 0,02, ça suffit. Pour moi, en tout cas, cet instrument-là, c'était déjà assez probant. On va écouter avec et sans. Ça amène une distorsion qui permet, en tout cas, encore une fois, d'énoncer le groove et de nous donner en tout cas de l'intelligibilité, on va y arriver, je ne sais pas du tout dire, de la compréhension, on va dire, à cet élément percussif. Pareil ici. Sur cette partie très importante de rhythm qui intervient sur le couplet. Là, je pense qu'on peut entendre clairement la différence. Nettoyage, pareil, pour laisser de la place pour le kick. Une petite bosse à nouveau au niveau des 120, 120 Hz. À nouveau de la distorsion avec notre ami David Locke. Et ensuite, un autre EQ derrière pour éliminer un petit peu de. Fréquentiellement faire un petit nettoyage dans le très très haut qui n'amenait pas d'informations, on va dire, intéressantes au niveau de cette percu là en tout cas. Voilà. Pour poursuivre avec ces percus, il me restait des claps.
Encore du nettoyage fréquentiel. Et ensuite un limiteur. Léger, on va dire. Le but de ce limiteur-là, c'était vraiment d'enlever tout est transitoire au maximum de ce son de clap et surtout de rajouter de la longueur sur lequel a été appliqué en envoi une reverb, une autre reverb qui est une reverb à ressort qui est empruntée au bus de voix et ensuite une autre reverb. On peut regarder de quoi il s'agit. Tout simplement une réverb de très grande pièce, donc c'est une réverb d'église, church. Un temps très long. C'est une réverb que tout le monde connaît, pour tous les utilisateurs de Pro Tools en tout cas. C'est la fameuse D-Verb, c'est une réverb qui existe depuis le début dans Pro Tools, qui a un son, on va dire, un petit peu cheesy, un petit peu old school, très granuleux, mais très intéressant en tout cas. Et je pense que ce son-là, cette reverb-là, c'est pas moi qui l'ai utilisée dès le départ, c'était dans la session, et je pense que tout le mérite, entre guillemets, revient au producteur. C'est lui qui avait choisi ce son-là, et comme je trouvais que c'était un bon parti pris, je l'ai absolument laissé. Derrière, sur le retour de reverb, un filtre. Et ensuite, toutes les percussions partent dans un bus. Et ce bus-là va compresser légèrement. On voit l'aiguille à peine bouger, c'est vraiment très 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 léger comme compression. Ce plugin Waves qui émule le plugin qui émule le compresseur de la console SSL 4000 est pour moi un des meilleurs pour ce genre d'émulation en tout cas, il est vraiment très très bon. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des percussions. Je ne vois pas s'il y a des questions dans le chat, si Nicolas éventuellement tu veux m'en faire part. Non, il y avait une question, mais je crois que tu as répondu sur les claps, la reverb. Donc elle était incluse dans le sample, c'est ça? Dans le son. Tu as rajouté toi un truc Non, il derrière? l'avait. En fait, c'était un choix délibéré. En tout cas, il y avait un synth et il avait di Ah oui, c'était directement dans la session, choisi voilà, cette d'accord. réverb-là. Ok, d'accord. Voilà, c'était dans la session en Ouais, tout cas. c'est ça, d'accord. Non, non, mais je crois qu'on Mais est bien. comme je trouvais que ça marchait très bien, ben, le but du jeu, c'est aussi de respecter les choix qui ont été faits, surtout dans la pop, qui ont été faits au départ par le producteur. Il faut savoir que en général, les compositeurs dans la pop musique en général travaillent beaucoup beaucoup de temps sur le mix et sur la production. En Bien sûr. général, ils commencent à mixer pendant qu'ils produisent et ils font pas mal de choix. Et le fait de travailler sur les mêmes plateformes en général, ça permet de pouvoir juste aller un peu plus loin et dans leurs idées, en tout cas, d'essayer d'amener le mix plus loin et pas de refaire non plus toute l'histoire. Bien sûr, ben oui, parce que Sur. on a eu cette discussion juste avant dans le fil là. Parfois, on reçoit des sessions où il y a une vraie volonté des producteurs, comme tu le dis, d'avoir un certain type de son. Et quand c'est inclus à l'intérieur, il faut le respecter, il faut le garder. Oui, Voilà. j'ai eu fait cette erreur il y a très très longtemps et je pense que je pense que des erreurs justement, il faut en faire. Ça permet d'avancer, d'avoir changé certains sons importants sur des mix de pop parce que
On est tout jeune et tout fou, on a envie de faire le meilleur mix de la terre et forcément on trafique un petit peu trop des fois ou alors on a envie d'aller peut-être à l'encontre des sons qu'on nous donne. Et je pense que c'est une erreur, surtout dans ce genre de musique, à ne pas commettre. Il faut au contraire essayer d'avoir une vision commune avec le producteur. C'est pour ça qu'on discute beaucoup, c'est pour ça que c'est une musique qui évolue beaucoup, donc il faut se tenir entre guillemets à la page et en écouter énormément. Et déjà aimer ça, forcément. Et en écouter énormément, se tenir au courant de tout ça. Et surtout, d'aller plus loin juste et de respecter. Et si on peut amener 20 ou 30% en plus, c'est déjà énorme au niveau du mixage. Oui, tout à fait. On Moi, n'est pas là pour refaire l'histoire, comme je disais. exactement. Moi, j'ai fait la même erreur que toi, certainement, puisque des fois, être trop dans le jugement de ce qu'on reçoit en tant que mixeur, on a forcément un avis sur tout. Et parfois, malgré soi, on a envie de changer pour le faire à notre goût. Mais quand on nous fournit des pistes, il faut respecter ce qu'on nous envoie, quoi, parce que sinon, ça ne veut plus rien dire. Donc, c'est pour ça me permet de répondre aussi à la question. Et tu y réponds aussi, toi aussi, Stéphane. Quand on produit, parce qu'il y a aussi des gens qui produisent dans l'audience, fournissez les sons qui vous plaisent. Comme ça, le mixeur n'aura plus qu'à, justement, comme tu dis, rajouter les 20-30% pour sublimer tout ça. Oui, absolument. Voilà. J'ai juste envie de faire une petite parenthèse. J'espère que ce n'est pas le cas ici. Je ne pense pas. On va pas le voir sur ce kick là. Qui est quelque chose d'assez important à mes yeux. Et je pense que Nicolas, tu dois en parler à chaque fois dans tes cours et dans tes masterclass, l'importance de la phase en fait. Ah oui, bah oui. C'est très important, surtout sur des éléments graves pour les producteurs qui écoutent, en fait, de faire attention à ce que les sons de Moog Bass, de 808, de kick, de sample qu'ils utilisent, même pour les producteurs en général, de faire attention à ce que les sons soient en phase. Ça m'est déjà arrivé de recevoir des kicks dans l'électro qui étaient où il a fallu que je flippe la phase forcément. Mais en fait, c'est un phénomène physique tout bête, c'est que l'enceinte doit pousser l'onde, on va dire, positive, et le fait que l'enceinte se déplace à chaque coup d'entrée vers l'arrière. On va dire que la sensation n'est pas du tout le même. D'accord. Tu veux dire par rapport au sens de Voilà, donc ça l'amplitude, peut c'est être ça? déjà récupérer du son juste en inversant la phase sur un simple kick ou une basse, ça peut être déjà énorme. Ah oui, ça, bien sûr, clairement. Clairement. La phase, et eh oui. Voilà, donc. Comme je dis là dans le chat, oui, la phase, c'est. Mais faut pas que ce soit une psychose, hein. C'est une forme de Non, logique, hein, en fait, hein. ça m'est arrivé sur des kits de batterie où les overheads n'étaient pas en phase avec la caisse claire ou inversement. La finalité, si ça sonne bien, pourquoi changer? Tout à fait, exactement. Faire confiance à ses oreilles, avant tout. Je pense que c'est ce qui sort des moniteurs qui prime. C'est sûr. Je pense qu'on a fait le tour du kit de batterie. Il y a quelques éléments interventionnistes. Oui. Il y a une partie dédoublée qui est appelée trap ici dans ce titre. Qui a été traité comme une partie vraiment vraiment à part entière. On retrouve sur ce kick ici à nouveau la compression parallèle dans le 33609. Léger filtre dans le sub. On va rapidement comprendre pourquoi. Ici, à nouveau un filtre. Si on écoute les deux,
avec 7808 qui joue le rôle vraiment d'infra. C'était nécessaire finalement en fait de filtrer au préalable ces deux kicks là en tout cas. Si on écoute que le sub, pour ceux qui ont un casque avec eux. Alors c'est marrant parce que je vois que j'ai pas rentré la licence de ce plug, pourtant je l'ai. Honte à moi, je devrais la rentrer. J'ai réinstallé mon système il y a pas longtemps et j'aurais dû la rentrer. Donc ce plug permet de, tout comme son cousin de chez Waves, le Airbase, de rajouter un sub harmonique, je pense, qui marche. Sauf que le réglage, je pense, n'était pas celui que j'avais appliqué, c'est pour ça que ça tord complètement. Et derrière, une légère compression avec une émulation Fairchild. Je sais qu'il y a des plugs qui émulent le Fairchild encore mieux que celui-ci, mais encore une fois, il faut, de mon avis, il faut prendre ces émulations-là, pas au pied de la lettre, mais plutôt l'utiliser comme un outil. Donc c'est ce que je cherchais à faire avec ce plugin-là, qui émule un Fairchild 660, qui est la version mono du Fairchild, qui n'est pas exactement la même version que le 670, qui est un compresseur stéréo, enfin double mono. Donc les trois combinés, en tout cas. Suivi d'une caisse claire avec de la distorsion. La caisse claire et cette caisse claire qui est mariée avec un son de clap, pareil, partent dans une compression parallèle. Là, en tout cas, c'est le 33609, le 1176 version Universal Audio. Il nous reste un son ici. Qui part dans une réverb. Cette réverb-là a été choisie au départ, encore une fois, la déverbe. Je pense que c'était un effet de réalisation, donc du coup, je l'ai laissé. Et ensuite, on se retrouve avec juste un EQ qui va amener, pareil, un son très très particulier et surtout beaucoup d'aigu, je vois. Un son qui était assez triste au départ. Dernier élément important de cette partie trap rap, le charlet. Sur lequel je n'ai strictement rien fait. Si on écoute toute la batterie à cet instant T. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette partie-là. Si de ton côté tu as des questions, Nicolas. Je ne crois pas. Ça débat un petit peu sur la phase. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit différé forcément, donc ça réagit un petit peu après. Mais bon, oui, cette phase qui... T'as pas un exemple, peut-être pour illustrer, genre une belle inversion de polarité, quelque chose dont t'as peut-être pas ça sous la main, là. Dans cette session, Sous cette session, c'était pas le cas. T'as pas le cas, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, Il après... suffit de prendre déjà le... C'est tout simple. Mais c'est des choses qu'on arrive très vite à déceler à l'oreille.
finalement, Ouais, quand deux sons se absolument. corrèlent en phase, on l'entend assez vite. Ça, bon, je sais pas comment expliquer ça, mais ça s'entend, quoi. Avec l'habitude, évidemment. Mais dans le grave, c'est un petit peu plus compliqué parce que forcément, les fréquences sont beaucoup plus difficiles à entre guillemets à ressentir. Mais une corrélation de phase sur dans le médium aigu, clairement, le timbre change, hein. Parce que je vois J'ai que un moyen qui m'est propre de déceler ceci, en fait, surtout sur les kicks. J'ai deux paires d'écoutes dans le studio, une paire de NS10, sur lesquelles je n'écoute pas du tout fort, parce que c'est des enceintes qui sont très fatigantes, comme chacun le sait. J'ai une deuxième paire d'écoutes, sont des ProHack Studio 100, que j'avais découvert chez mon pote Pascal. Ces enceintes sont intéressantes, et sont enceintes avec un bass réflexe. Elles descendent pas énormément, mais par contre, quand on joue une grosse caisse dessus, sur des sons, des kicks, on va dire très espacés, on se rend compte en fait, en regardant bouger la membrane, que le kick en fait n'est pas en phase. D'accord. Ah oui. Voilà. On peut juger ça sur. J'ai noté ça sur les enceintes focales aussi. Où les enceintes, les boomers sont assez souples, on va dire. D'accord. Et quand Ouais. on connaît bien ces moniteurs, en fait, on arrive à chaque fois à déceler certains points particuliers, on va dire. D'accord. Ah ouais, c'est marrant. D'accord. Oui, parce que l'élongation d'un haut-parleur, oui, ça en dit sur le mouvement du grave, bien sûr, oui. C'est vrai. Ouais. Vous faites le test de la pièce de monnaie, comme disait Pascal, il avait fait ça dans un stage. Bon, ça, c'est plus pour voir la polarité Ouais. des haut-parleurs, mais c'est un peu. Tu vois déjà l'élongation C'est du un vieux haut-parleur. truc que Ouais. faisaient à l'époque les ingés avec la pièce de monnaie. Il y a un petit appareil qui s'appelle Audio Galaxy Cricket Oui. qui permet de tester toute sa chaîne, savoir si tout est en phase. Je pense que ça existe aussi sous une autre forme, mais en tout cas, ce Galaxy Cricket permet de tester toute sa chaîne en passant par les convertisseurs, par les préamplis, jusqu'au haut-parleur. Et donc, du coup, avec ces deux boîtiers, ça permet vraiment de tester en fait si toute ta chaîne est correctement en phase. Et je pense que c'est très important. Ah oui, carrément, oui, De tout à mon fait. point de vue, en tout cas. Ah oui, bah, bien sûr. Oui. Je sais pas si ça vous aide l'audience, mais voilà. La basse, une des quatre basses de ce titre. Une petite pointe ici pour pouvoir sortir, on va dire, sur un système grand public avec une accentuation au niveau des 500 Hz. Je pense qu'on aura bien entendu la différence. Et comme si ça suffisait pas, en fait, j'ai rajouté un plugin de distorsion. Attention, si vous utilisez ce plugin, de bien débrayer le noise parce que ça peut rapidement être assez important. Un autre plugin de distorsion qui est un plugin distorsion multiband de chez Waves pour amener encore ce côté intelligible sur un système grand public, téléphone, boombox, etc. En fait, là, je viens de me rendre compte qu'il fonctionnait pas. Il n'avait pas été appliqué. Donc, du coup, je me suis fait avoir mon propre jeu. Et je pense que c'est un plug que je n'utilisais pas à l'époque. Donc, il a été rajouté là par le producteur. Donc, autant pour moi. Une piste qui était appelée Reamp. Qui part dans un délai très court, un délai slap.
Je pense qu'on peut entendre le fait que ça spatialise un peu plus au niveau de la stéréo. Une autre basse qui est un sub. Ou pour le coup, j'ai complètement filtré toutes les fréquences aiguës. Encore ce bon vieux compresseur émulation Fairchild à la sauce à vide. On peut écouter avant et après. Sont toutes les basses qui constituent cette partie-là en tout cas, qui est la partie du refrain. Ici, il y a une partie de basse qui était. Là, on voit bien justement en fait le phénomène dont je parlais tout à l'heure de phase, et je pense que c'est une des basses que j'avais justement flippé. Directement dans Pro Tools en audio suite parce qu'elle était arrivée, si je me souviens bien, avec une inversion de polarité. Et toutes ces basses finissent dans un bus, qui est celui-ci, sur lequel je n'ai strictement rien fait. Ça permettait juste de contrôler la balance. On demandait Je pense qu'on peut faire en tout. si le réamp s'était fourni avec ou c'est toi qui l'as créé, non? Non, parce que c'était fourni avec, parce qu'en Voilà. fait, je n'utilise pas ce terme. D'accord. J'ai effectivement couché via la fonction commit de Pro Tools qui existe depuis Pro Tools 11 ou 12, je pense, qui est une fonction qui pour moi est très utile, qui permet d'éviter de passer par un bus pour coucher une piste, etc. Ça peut se faire en offline, ça peut, en tout cas, si on a du hardware inséré, forcément, ça sera en temps réel. Et cette fonction de commit permet de coucher, de printer un son. Dans une machine, ça peut être un EQ, un compresseur, etc. Et de pouvoir ensuite libérer cette machine-là pour l'utiliser pour une autre source. D'accord. Et je l'ai fait sur une piste de clavier. Après, j'ai volontairement gardé les exemples avant-après. Elle est ici. On va l'écouter. On peut écouter un bout de toute la rythmique. Sous le refrain. Je pense qu'on entend bien que le son de batterie dépend énormément, surtout son épaisseur et surtout l'attaque et le groove dépend vraiment des trois compresseurs en parallèle. On a un élément important de ce titre qui s'appelle Pluck. Cet élément-là, c'est un petit peu le leitmotiv du titre. D'ailleurs, il y a quelques automations de volume dessus. C'est ce qui joue le thème à l'intro et ce qui joue également le thème pour le refrain.
On voit ici que j'ai passé ce son de clavier à travers, j'avais noté ici, à travers le tube corps. Donc si tu as la photo, Nicolas, en fait c'est un compresseur Varimu d'une marque qui s'appelle IGS. Et ce compresseur-là, en fait, j'avais volontairement essayé de saturer l'entrée des lampes en rentrant dedans avec un niveau assez élevé et en compressant un petit peu. Et le but de cette manœuvre, c'était vraiment de chercher de la couleur qu'on n'avait pas sur le son de départ. On peut écouter le son au départ. Je pense que c'est ceci. Donc cet élément est très très important, on va dire, c'est à part la batterie, c'était vraiment un des trois éléments phares du titre. Donc je tenais vraiment à travailler dessus et surtout à le rendre beaucoup plus vivant, ce qui était un petit peu moins le cas au départ quand je l'ai récupéré dans la session. Cet élément-là, je l'ai envoyé dans une réverb un petit peu spéciale, c'est une réverb à ressort que j'ai empruntée au bus de voix. Et sur cette réverb à ressort, j'ai fait pas mal de traitements en fait. En fait, il y a plusieurs éléments en un seul. Tout d'abord, un preset d'un écho à bande, d'un délai à bande qui s'appelle Roland 201. Je pense que la plupart des gens connaissent ce délai à bande qui était énormément utilisé dans le dub. Donc ce preset me plaisait beaucoup. Ensuite, ce délai à bande part dans cette émulation de réverb à ressort de PSP Audioware, qui est une compagnie polonaise qui font de plugins de très grande qualité pour moi en tout cas. Et ensuite, cette réverb-là, j'ai carrément compressé le son. Peu, je pense que c'est surtout la voix qui va activer la compression. Une distorsion supplémentaire, toujours appliquée sur le retour de reverb. C'est très léger, le pourcentage du mix wet dry est vraiment à peine, on est entre 0 et 1, ce qui est assez. Ce qui, parfois, sur des bus batterie, ce plug, c'est largement suffisant comme réglage en tout cas. Comme quoi on peut travailler le son des réverbes. Absolument, je travaille le son des reverbs tout le temps et je pense que Mais ça amène c'est vachement, une hein, quand on nécessité en écoute tout comme cas. ça, ça amène vachement. Hein. Oui. Pour moi, c'est une nécessité. Sur la voix de couper des aigus, de mettre des DSR sur le retour de réverb quand on a des voix trop sibilantes, par exemple, parce qu'il y a des réverbes dont on aime le son qui sont assez brillantes, mais la voix vient activer, C'est vrai. elle vient à dire énoncer encore plus les S de la voix, donc du coup, ça m'arrive de mettre un DSR sur le retour de réverb. C'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est un truc que tout le monde connaît et je pense que c'est important de s'en souvenir de ne pas hésiter de DSC sinon les retours de reverb, sinon on se retrouve avec des voix comme dans les années 80 avec les S qui partaient dans la reverb et Et qui oui, n'étaient ça pas amplifie DSC. le C'était un ben certain style ouais. aussi.
On se rappelle tous de Billie Jean avec les S qui partent dans la reverb. Je pense qu'ils avaient un petit peu oublié le DSE. Ah, mais bon, c'est sûr que... C'est intéressant, ça, donner un son au titre, en tout cas. C'est vrai. Le but du traitement ici, sur ce son, c'était vraiment la largeur, que ce soit assez large, un nettoyage fréquentiel, vraiment de la largeur, avec un emploi de délai AS dans ces derniers retranchements, on va dire, puisqu'on est à 30 millisecondes, jusqu'à 40, c'est ce que l'oreille humaine peut entendre comme un vrai délai. Là, en tout cas, le fait de l'appliquer directement sur la piste, on se retrouve avec une source stéréo qui directement a une source mono qui est directement stéréo pour le coup. Je vais vous faire écouter la différence avant-après. J'imagine les commentaires sur le chat où les gens doivent peut-être penser que la compatibilité stéréo, mono, pardon, doit être un petit peu affectée. Je m'en soucie pas trop. Ça voilà. Ça va arriver. Je m'en soucie pas trop, j'écoute sur une... Tu disais l'effet AS, moi, c'est l'effet AS en acoustique, oui. Parce que j'en parle beaucoup avec un certain Patrick. Et c'est vrai que le fait de comment dirais-je, décaler dans le temps comme ça, ça permet de localiser les sources. C'est quelque chose qu'on utilise en sonorisation, par exemple. L'effet AS, ça vient de là, en fait. Oui. Voilà, donc c'est vrai oui. Que là, comme tu dis, la phase, ben, comme tu dis, on s'en fout, puisque ça permet de localiser et créer de la stéréo, c'est le but recherché. Hein. Donc là, clairement, je ne sais pas si les questions vont arriver, parce que comme il y a un décalage... Mais ça, je pareil. Suis un petit peu, mais... Ouais, non, non, mais... N'hésite pas à me relier. On est ça. Encore sur le DSR, là, c'est pour ça, sur la reverb. DSR qu'on applique avant la D'accord. reverb, voilà, parce que j'ai vu passer la question. Parce qu'on peut avoir un son de voix avec une petite sibilance qui, on va dire, acceptable. Mais c'est vrai que dans une reverb, ça l'amplifie encore plus. C'est ça que, oui. qu'on disait. C'est pour ça de placer... Certaines reverbs, notamment... Oui, voilà, tous... certaines reverbs, bien sûr. Je pense forcément à tout ce qui est lexicon, à tout ce qui est vieille reverb, Yamaha, etc. Forcément la diverb aussi, tout ce qui est reverb un petit peu granuleuse et assez brillante. Alors phase ou pas? Surtout si on a déjà appliqué énormément de brillance sur la voix. Je rebondis, alors je passe du coq à l'âne, mais je reviens sur ce truc de la phase. Une question intéressante, parce que quand on demande compatibilité mono, on s'en fout ou pas? Alors. En ce qui me concerne, oui. Voilà, merci. Et oui, on s'en fout, non, mais c'est sûr, on s'en fout. Si, comme je dis souvent, si le projet est destiné à des supports mono, ce qui est aujourd'hui, bon, quand même assez rare, alors oui, il faut mixer en mono. Mais bon, aujourd'hui, quand même, la stéréo est quand même beaucoup plus répandue, heureusement d'ailleurs. Je dis, je m'en fiche, entre guillemets, dans une certaine mesure, bien évidemment. Oui, si je switch en mono sur la télécommande du monitoring, ce qui m'arrive forcément aussi, si le son disparaît complètement, c'est qu'il y a évidemment un problème. Mais évidemment, quand on switch en mono, tout ce qui est très large va forcément être bien atténué. Bien sûr, bah oui, parce que la mise en phase va créer un filtrage en peigne sur les fréquences, notamment médium oui. aiguë, et qui va créer un détimbrage. Le son va, entre guillemets, changer. Mais bon, voilà, après, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. C'est pas grave en soi. Combien de disques du commerce vous écoutez encore une fois, en ça mono, dépend du style. Oui, voilà, tout à fait. Encore une fois, ça dépend du style. On va dire que sur de la musique pop, la musique. Enfin,
Sur la pop, au sens large du terme, on va dire que la part belle est faite à l'opulence. Donc, un mix tout petit, en mono, sans grave, sans aigu et sans largeur, ça sera beaucoup moins sexy que quelque chose qui a un petit peu un côté grandiloquent. Ça va avec le style de musique en général. Et quand je dis pop, c'est vraiment au sens large du terme. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais on est bien d'accord. Bon, de toute façon, si après le mix n'est pas assez large ou s'il est trop large, charge à l'ingé de mastering qui fait le master Oui, derrière après, c'est lui qui. Oui, de réduire tout ça ou alors d'élargir. ah oui. Et oui, parce que ce qui crée le phénomène de stéréo, je fais la parenthèse parce que justement, on en parle, c'est justement le principe de localiser les sources. Et c'est clairement un principe de phase, hein. La stéréo, c'est ça, hein. C'est une question de temps, d'intensité, répartie sur deux enceintes. Donc il faut qu'on ait ce truc-là, sinon il n'y a plus de spatialisation, quoi. C'est un petit peu plus compliqué, quoi. Et la modulation aussi. Et on Oui, peut bien sûr. rajouter ce que j'ai fait ici, si on regarde à l'écran. J'ai rajouté une petite modulation en fait. Oui, qui rajoute encore Un effet de largeur. Oui. Et donc ce son qui est déjà large n'avait pas manqué de rythme, on va dire. Et donc j'ai rajouté un délai. Au tempo, donc on est côté gauche à la croche et côté droit plus rapide avec une double croche avec une émulation de tape sur lequel j'ai pas mal enlevé des aigus et un petit roll-off aussi dans le grave. On peut réécouter le son avec et sans. Alors ce son-là est un son qui va dire qui est vraiment un des sons les plus importants du refrain. Donc ça va sans dire que j'avais pas mal travaillé dessus par rapport à son intensité, sa spatialisation, etc. On va écouter tel qu'il avait été enregistré dans la session. On se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus vivant, de harmoniquement, au niveau des harmoniques, beaucoup plus riche en tout cas, et qui va vraiment être mise en avant dans ce mix qui était au départ très très dense. Un délai, une réverbe très intéressante, une réverbe avec une modulation assez importante. Et ensuite, différents bus, un délai stéréo. Le bus avec la réverb à ressort qui a été crunché un petit peu, qui a été compressé, etc. Un bus que j'ai utilisé qui est une compression parallèle sur la voix, qu'on va voir dans quelques instants quand on va attaquer les voix. Un élargisseur qui est un doubleur, on verra lequel tout à l'heure, qui est emprunté sur la voix. Une room.
et un délai stéréo. Cet élément n'était pas très très important, on va dire. Il faisait partie des éléments de second plan. Donc aucun traitement appliqué dessus, juste le fait de choisir la balance. Et pour moi, ça fonctionnait très très bien. Cet élément aussi, juste interventionniste ici. Et cet élément aussi. Sur celui-ci, un délai. Et le plug vitamine qui vient renforcer des aigus. Au vu des réglages, c'est quelque chose qui a été choisi au départ par le producteur. J'utilise pas du tout Vitamine dans ce cadre-là, en tout cas. Et comme ça fonctionnait dans le titre, et que c'est une décision qu'il avait prise au départ en amont et qui me correspondait bien, j'ai décidé de le garder tout simplement. Toujours dans l'optique de ce qu'on disait tout à l'heure, de respecter certaines décisions qui ont été prises au départ. Une distorsion sur ce son qui est assez faible, qui joue en fond, et une limitation assez forcée, on va dire, assez importante. De rajouter de la distorsion, parce que ce plug-là, ce limiteur de mastering, quand il est poussé vraiment dans ses derniers retranchements, en fait, on se rend compte qu'il amène une certaine distorsion qui est intéressante sur des basses, sur des batteries, sur un bus de batterie. C'est un plug qui fait des merveilles. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les claviers et autres éléments interventionnistes pour cette partie-là. Pas mal de petits éléments qui viennent de temps en temps. Aussi, on a Impact. Le but du jeu, c'était de ramener... je pense que le réglage n'est pas le bon par défaut. De ramener un sub assez important, en tout cas sur cet impact-là. Ça, c'est quelque chose que je fais assez fréquemment quand les bruits d'impact ne vont pas assez loin. Un petit peu à la manière des FX qu'on trouve en cinéma, où tout est exagéré au niveau des impacts. J'aime bien faire ce genre de truc. Finalement, j'ai laissé un petit peu les éléments tels qu'ils étaient. L'important, c'était de faire une balance et ça marchait dans le titre, en tout cas. Est-ce que tu as des questions de ton côté, Nicolas? Bah écoute, non, tout le monde... On parle du tarif de mix, enfin voilà, que ça fait rêver, enfin voilà quoi. Eh bah, ben Charlie, il faut demander à Stéphane. Il disait que je rêve qu'un ingé son me fasse un mix comme ça, ben bah, j'y voilà. Eh oui. Ensuite, pour poursuivre, on avait l'intro qui était assez intéressante au niveau de la voix, mais par contre, une voix qui était très très terne au départ. Oui, forcément, on peut pas bypasser parce que c'est là où tu dois dégainer les photos, mon cher Nicolas. Parce qu'il s'agit d'une chaîne du TubeTech CLMB dans la partie, non finalement, toute la chaîne de l'Avalon 737, qui est un channel strip hardware que la plupart des gens connaissent, je pense, qui comprend une partie préampli, DI, compresseur optique et une partie d'EQ que j'adore. Et tout ceci en format mono. La voix en elle-même, elle était comme ceci au départ.
Donc du coup, j'ai décidé de filtrer juste une petite fréquence qui était pas très heureuse, on va dire, dans les 400. Juste ceci. Et ensuite, la grosse partie du son de cette intro a été faite par cette chaîne, donc Tuptech CLMB, directement patchée dans la vallone avec une EQ assez importante. Le CLMB ne compresse pratiquement pas. Dernier ajout sur cette voix qui était assez terne. J'ai rajouté un petit peu à 8 kilos, un petit peu de présence à 16 kilos, c'est tout. Le reste du son de cette intro a été grandement amélioré, on va dire, par une compression parallèle sur la voix. Et cette compression parallèle, en fait, elle est ici, avec pas mal de choses finalement qui ont été appliquées. Donc ça arrive dans ce bus-là, via ce synth-là. Donc, j'utilise un EQ avant d'attaquer une distorsion qui est comprise dans l'abonnement de Pro Tools. J'aime beaucoup ce plug en fait qui s'appelle Black Op Distortion. Très intéressant. Je pense au vu de l'ergonomie de cette pédale, que c'est une copie d'une pédale qui existe pour guitariste qui s'appelle le Proco Rat, qui est très intéressante. Ensuite, un insert directement avec un distressor. Le distressor vient compresser énormément avec directement le mode nuke. Forcément, qui dit distorsion, 10 fréquences gênantes, c'est un petit peu le revers de la médaille, donc j'ai cuté pas mal de ces fréquences-là. Et je viens à nouveau avec uniquement cette bande-là, adoucir une dernière bande de fréquence avec le compresseur multiband C6. Cette bande de fréquence-là qui était un petit peu dure, donc du coup je l'ai atténuée. C'est normal, la distorsion appliquée par la pédale plus le distressor en mode nuke n'ont pas arrangé la chose. Un dernier plug qui est un limiteur, le LEM, qu'on a vu précédemment. Une mise en espace avec une hall, une réverb assez grande. On retrouve ici, sur laquelle j'ai appliqué un compresseur. Ce bus, je ne l'ai pas utilisé, mais au départ, c'était un bus que j'avais prévu afin de faire une technique qu'on appelle du ducking. Le ducking permettait de compresser le délai qui est appliqué. Juste en le mettant avant le délai, afin de compresser et de laisser le délai agir uniquement lorsque la voix en fait disparaissait. Je n'ai pas utilisé finalement. Un délai stéréo. Une petite pièce avec une room.
une répétition légère avec un délai mono. Petite parenthèse, je revenais tout à l'heure sur l'organisation des sessions. J'ai dans un template dans Pro Tools où j'ai au départ toutes mes pistes, tous mes envois qui ont été au préalablement nommés, ce qui me permet directement de, si on voit ici dans les scènes, de choisir directement tous mes envois et comme ça d'être beaucoup plus productif et d'aller beaucoup plus vite. L'idée derrière, le fait d'aller très vite, c'est de que la musique soit la priorité et pas la technique en fait. C'est uniquement dans ce but-là. Voilà pour cette intro. On se retrouve directement sur le couplet. Sur le couplet, donc la voix qui avait été enregistrée par Shiloh était pareil, assez terne. Je ne sais pas du tout quel micro ils ont utilisé, mais c'était une voix plutôt très terne, on va dire. Donc je vais bypasser tout le traitement que j'ai appliqué. Give all your love to me. Don't be my enemy. Come be a friend to me. Come be a friend to me. Wrap me in your arms. Keep me from harm. Keep my heart warm. Keep my heart warm. You are the only one I want. I want. You are the only one I can't find. I can't find you. Une partie de la voix, du son de la voix, provient d'un autre 1176 hardware qui est inséré ici. Give all your love to me. Don't be my enemy. Come be a friend. J'utilise souvent ce compresseur parce qu'il amène une distorsion qui est assez importante. Dans les hauts médiums et dans les aigus, et du coup ça me permet d'asseoir un petit peu plus la voix dans le mix en tout cas. Ça marche avec la plupart des voix que j'utilise, sauf quand elles sont vraiment très très agressives, du coup je passe à un compresseur qui est beaucoup plus doux, style CLMB par exemple. Une EQ juste à la fin, après avoir ajouté pas mal d'aigus, pour enlever une petite fréquence qui était gênante et qui piquait un petit peu, comme on dit, dans les 3 kilos. C'est tout. Un délai court pour pouvoir élargir cette voix-là. Donc, ce qu'on appelle un slap. Give all your love to me. Don't be my enemy. Come be a friend to me. Come be a friend to me. Wrap me in your arms. Keep me from harm. Keep my heart warm. Keep my heart warm. Et on retrouve le fameux envoi vers la reverb spring sur laquelle j'ai appliqué pas mal de traitements tout à l'heure. Cette voix, j'ai décidé de la splitter, donc de la dupliquer, et d'appliquer un traitement assez low-fi, on va dire. Une émulation de mégaphone, pas mal de distorsion dessus, un gros coupe bas et ensuite une compression assez importante avec un temps de release court possible pour amener la voix vraiment de façon très très présente, vraiment le plus devant possible en tout cas. Pareil sur le 1176, le temps de retour, si voilà, a mis la photo à l'écran, un temps de retour le plus court possible, en tout cas sur la voix. Les deux combinés. Give all your love to me. Don't be my enemy. Come be a friend to me. Come be a friend to me. Wrap me in your arms. Keep me from harm. Ensuite,
Au niveau de cette partie de voix, il y a quelques éléments qui viennent intervenir. Ce sont ces fameux Hey, qu'on a ici. Là, pour le coup, c'était complètement sec et je cherchais absolument de la longueur et quelque chose de très intéressant au niveau du son, avec vraiment une caractéristique sonore très affirmée. Donc j'ai utilisé à nouveau la spring sur la voix. On voit que l'envoi est assez conséquent. Là, je pense qu'on reconnaît aisément le son d'une réverb à ressort. Un délai en plus. Et c'est tout pour cette partie-là en tout cas. Et je pense qu'on a fait le tour des voix de cette partie-là. Je pense qu'après, on avait cette partie très importante puisque j'ai splitté la voix en deux en fait, où ça avait été fait au départ, je pense, au niveau de la session. Ça arrive souvent en fait que les voix sont séparées suivant les sections. C'est très très courant dans la musique actuelle. Donc on a la voix pour le refrain. Cette voix, comme on peut l'entendre, était plutôt très centrée, très mono. Déjà un premier nettoyage fréquentiel, un compresseur, un doubleur de chez Softube pour la rendre large. Un petit peu de saturation pour la rendre toujours pareille, plus intéressante et surtout qu'elle perce bien dans le mix. Un délai directement appliqué sur la piste, comme quoi il n'y a pas de règle. Encore un délai très court, un slap. On retrouve la spring en moindre mesure et un doubleur qu'on va retrouver ici, que j'ai utilisé pour pas mal de sons. Cette spring qui est très intéressante. L'idée principale surtout c'était de rendre la voix vraiment sur les refrains très très large et qu'elle soit présente un petit peu partout, en tout cas au niveau de la stéréo. Une dernière piste de voix qui a été produite, c'était cette piste ici. Juste interventionniste. Et je pense qu'on a fait le tour de toutes les voix. Si entre-temps vous avez des questions, n'hésitez pas. Oh ben là, il y a les débats sur les mix, sur les bons mix, sur tout un tas de choses que beaucoup de gens se demandent. Aussi bizarre que ça puisse paraître, mais bon. Non, non, mais en général, quand ça dit rien, c'est que ça écoute. Encore des voix qui sont dans la deuxième partie du refrain,
des harmonies. Même recette, sauf que j'utilisais une des reverbs qui était présente dans la session, puisque Vox Verb, je sais que c'est pas moi, puisque je n'utilise pas ce terme pour envoyer vers une reverb. Slap stéréo, on l'a vu. Une harmonie supplémentaire. Il s'agit de la même chanteuse qui a utilisé, je pense, le fait de pitcher et de jouer sur les formants de sa voix pour rajouter ce côté un peu mystérieux et, on va dire, plutôt... Voilà, super bien produit par ce jeune producteur que j'aime beaucoup. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Il y a encore d'autres éléments interventionnistes ici. But I love to keep you waiting. You love the game I'm playing. 'Cause when I make... Alors ceci, ça fait partie de la partie trap. Et j'ai laissé volontairement, quand j'ai regardé la session, avant de vous la préparer, j'ai laissé volontairement en fait la piste. On voit très bien l'effet de la radical de la compression que j'ai appliqué sur cette voix-là. On va écouter avant et après. Un petit décalage. Comme j'avais déjà utilisé le 1176 sur la voix lead et que je voulais absolument compresser la voix, mais de façon drastique, on voit très très bien l'effet de la compression ici. J'ai utilisé en fait le 1176, mais sur une fonction qu'on détourne du 1176, c'est-à-dire d'enfoncer tous les boutons du 1176, ce qu'on appelle les British Mode. Ça donne pas mal de distorsions, une compression assez extrême. On retrouve aussi ce mode sur le distressor aussi. Et à l'arrivée, on se retrouve avec une voix comme ceci. But I love to keep you waiting. You love the game I'm playing. 'Cause when I make you so... On va dire que la voix ne bouge plus du tout dans le mix. Ce qui était le but en tout cas sur cette partie-là en tout cas. Voilà, je pense que on a fait le tour de ce côté-là. On reconnaît bien le son du 1176. Oui, le British Mode, ça pardonne pas en général. Ça fonctionne également sur les plugins. Pas aussi bien qu'en hardware, mais ça, en tout cas, le mode est implémenté. La première partie de Shiloh en mode rap, on va dire. Avec un délai très court. Une compression. Alors, je suis sûr et certain que ça a été au départ choisi par le producteur, parce que ça m'arrive rarement d'écraser comme ça l'attaque avec une attaque aussi courte sur le 1176. Mais vu que ça fonctionnait, j'ai préféré le laisser tel quel. Voilà. D'autres éléments de voix et une dernière partie, juste un des chœurs. Sont deux harmonies. Qui sont sous-mixées, qui viennent ajouter à cette production très très dense. Donc je pense qu'à partir de là, on avait tout vu. Batterie. Les différentes percussions, la basse, tous les éléments, clavier, etc., synthé, petits éléments interventionnistes et toute la partie de voix. Donc qui arrive ici sur différents bus, sur lesquels, pour avoir un peu plus de headroom, on va dire, j'avais appliqué des trims directement sur les bus. Parce que je pense que j'étais arrivé certainement à un niveau qui était un peu trop important.
du fait des compressions parallèles, donc du coup j'ai baissé le niveau avant d'attaquer chaque bus afin de pouvoir alimenter entre guillemets mon master bus sans envoyer un niveau trop important. Nicolas, des questions? Non, j'ai vu passer le... Comment dirais-je, une question, si je peux appeler ça comme ça, sur l'ordre des plugs, la manière dont tu les insères les uns à la suite des autres. Est-ce que c'est une importance? Bien évidemment, oui. Oui. Est-ce que là-dessus, tu as... Ici, on remarque que j'ai souvent cuté ou nettoyé, on va dire, avant d'attaquer un compresseur. Des fois, si je veux vraiment que le compresseur agisse sur une bande de fréquence particulière, au contraire, je vais pousser avec un EQ cette bande de fréquence et je vais vraiment la mettre en avant et le compresseur va réagir différemment. Ça m'arrive de pas mettre d'EQ avant de compresser parce qu'en fait ça ne nécessite pas du tout. Et par contre, si le compresseur réagit différemment, parce que tous les compresseurs agissent différemment, de remettre une EQ derrière pour rattraper le fait que le compresseur ait quelque part enlevé des aigus ou enlevé du grave ou atténué du grave en tout cas. Donc forcément, il faut réégaliser derrière ou rajouter des harmoniques avec de la distorsion par exemple. Et oui, exemple, quand ce que ça a été souligné sur la plosive du passage rap. Mais bon, je pense que c'est ce qu'on aime dans ce passage-là, à mon avis. Oui. Yes. Tout ceci nous amène directement à la section de bus master. Donc là, Nicolas, si tu peux mettre à l'écran le compresseur qui a été utilisé. Je pense qu'on va le voir. Alors, redis-moi. Donc j'ai attaqué direct. Comment? Redis-moi le compresseur en question. Le tube core. Tube core, c'est une photo avec un compresseur avec deux vues-mètres noires. Donc ce tube core, c'est un compresseur de type Varimu, sur lequel il y a qui a déjà une certaine couleur en lui-même. Donc j'applique en général un compresseur sur le bus. Dès que j'ai commencé à travailler sur le mix, on va dire au bout de quelques minutes, ça peut être un quart d'heure, demi-heure, parce que le compresseur de bus va avoir déjà une certaine incidence et avoir tendance à gérer les éléments d'une certaine couleur. Et je préfère ne surtout pas l'utiliser à la fin, car on va dire que la balance est presque à refaire. Et en tout cas, d'un point de vue fréquentiel, il va falloir retravailler dessus. Donc j'utilise mon compresseur très rapidement dans le mix. Et ce compresseur-là, en fait, il compresse 2 ou 3 dB sur les refrains, mais par contre, il a une fonction wet mix wet dry et je l'utilise finalement à un quart du mix. Donc à la finalité, je compresse très très peu. Voilà. Donc ça, tu disais, tu l'avais Compresseur inséré à lampe. au début de ta session, c'est ça? Assez rapidement Voilà, c'est après, ça. dès que j'ai commencé à travailler sur la balance du mix. Voilà, parce que ça, c'est souvent aussi un Ce que je peux sujet... faire, c'est vous faire écouter. Pardon? Non, je dis, le bus master, c'est souvent un sujet un peu sensible, parce que voilà, on ne sait pas trop comment Oui. l'aborder, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Donc là, toi, pour le coup, là-dessus, tu disais... T'as mis assez rapidement Ce ce compresseur-là, quand compresseur. je venais de l'acheter, je venais de l'acheter et je trouvais intéressant cette fonction mix wet dry. C'était en 2017, j'ai toujours ce compresseur, mais par contre, je ne l'utilise plus sur le master. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on change souvent d'habitude, on change souvent d'envie, Ouais. etc. Et on se rend compte que finalement, une machine qu'on pensait être dédiée à quelque chose, finalement, va atterrir ailleurs et ça va être détourné finalement de sa fonction initiale, ce que je trouve intéressant finalement. Donc ce compresseur-là, je l'utilise sur ce mix-là, sur le master, mais je m'aperçois que maintenant, j'utilise plutôt l'API 2500 pour le mix. D'accord. Ouais, on a tous un peu nos périodes avec les machines et les traitements, c'est vrai. C'est vrai.
Parce que j'adore le côté punchy en fait du 2500. Oui, on me Je demande. peux faire écouter le mix. On me demande, oui, l'ordre des plugins dans un Bussmaster, c'est évidemment l'ordre, bah, c'est très important, comme n'importe quel ordre sur n'importe quelle piste d'ailleurs. C'est un petit peu. C'est un C'est flux, variable mais oui. pour. Ça peut être une EQ avant le compresseur, si on a envie que, si on a envie justement que le compresseur agisse d'une certaine façon, ou classiquement, on va dire directement le compresseur et ensuite un EQ. Ce que j'ai fait par la suite en fait. Mon EQ est là. Et en fait, on voit que j'ai très peu utilisé l'EQ sur le master. 5 kilos, 2 dB, uniquement ça. Et j'ai enlevé cet EQ. Je pense l'avoir enlevé. Il faudrait que je revoie dans les fiches de recall. Je pense que je l'ai enlevé quand j'ai envoyé le mix au master en fait. D'accord. Et Je donc peux vous là, faire écouter le mix? on est bien. Non, je réponds à une question parce que je suis sûr de moi. On est bien sur un traitement brut. Il n'y a pas de traitement en parallèle sur le master. On est bien d'accord. Hein. Non, Voilà. pas du tout. Même si ça peut se faire. J'ai déjà vu Ça peut se ça. faire. Ça peut se faire. Oui, bien sûr. Si on veut augmenter le niveau de Sony de son mix, c'est quelque chose qu'on peut faire. Attention toutefois aux problèmes de phase que ça peut engendrer, dû à la latence de certains plugins, dû à plein de choses. Ça, en tout cas, il peut y avoir des gros problèmes de phase, en tout cas. Et là, tous les problèmes de phase qui peuvent être inhérents à un Pro Tools natif sur un Pro Tools HD. En fait, sont largement compensés à la sample près par par les convertisseurs et par la carte du système, en tout cas. Ah oui, là, Sinon, je ne pourrais pas faire tous ces allers-retours. ouais. Comme souligne Mathias, c'est peut-être ça qui a prêté confusion, c'est le dry wet, effectivement, comme il dit à juste titre, ça peut Ah oui, faire un effet absolument, de... oui, Voilà, il a oui, raison. c'est peut-être ça, oui. Tout à fait. Il a raison, y a très peu de compresseurs finalement stéréo qui ont cette fonction-là, et je trouve que c'était intéressant en tout cas sur celui-ci. Et même si je l'utilise même plus sur le master en tout cas, j'utilise toujours cette fonction de dry wet. Qui fait Donc effectivement du coup, ce que office je peux faire, de... c'est jouer le mix Vas-y, vas-y. sans le compresseur. Je prends directement le refrain. Et ce que je dois ajouter aussi, c'est que ce compresseur part aussi dans une machine qui s'appelle Oversteyr, qui n'est pas très très connue en France. C'est une machine, une unité qui est pas très sexy, on va dire, et en fait qui a tendance à faire ce que faisait la bande à l'époque, à arrondir un petit peu les transitoires, et donc du coup ramener une Sony supplémentaire, on va dire, et en plus une distorsion très intéressante. Je vous fais écouter avec et sans les deux. Ce qu'on peut noter, c'est que le mix a tendance un petit peu à s'effondrer du fait que j'ai mixé tout le titre dans le compresseur. Donc, forcément, si je l'enlève, ça retombe un petit peu comme un soufflé. Un plugin que j'ai utilisé juste après pour récupérer un petit peu de niveau et une impression de Sony supplémentaire parce qu'il rajoute de la distorsion, c'est un plugin de chez Softube.
Et je termine après l'EQ par juste un limiteur. Ce même limiteur que j'ai enlevé pour envoyer et pour tourner la version pour le mastering. Donc tu limites, voilà. ton mix. Absolument. D'accord. Et tu le laisses au mastering après ou tu l'envoies... Non, je l'ai enlevé en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Je l'ai enlevé et pour laisser de la place à l'ingé de mastering, j'ai aussi baissé sur l'overstayer. C'est une machine qui est crantée. J'ai baissé la sortie de l'overstayer en fait. D'accord. C'est la et photo ça, je l'avais noté en fait sur les feuilles de recall. C'est la photo que tu m'avais envoyée. Je l'ai en photo, cet overstayer ou pas ? Oui, je pense que oui. Est-ce que c'est le truc gris là, c'est ça ? Si tu mets à l'écran, je pense que je vais le reconnaître. Ou peut-être pas. Bon, en tout cas, c'est l'overstayer mass, la version mastering de la version crantée. Ça devait être ça. Ça va arriver, mais ça devait être ça. D'accord. Overstayer, c'est une petite compagnie presque artisanale qui est gérée par Jeff Turzo. C'est un savant un peu fou américain qui fait... Voilà, c'est cette machine-là. Qui fait pas mal de machines un petit peu intéressantes. Et tout ce qu'il fait, en gros, sonne incroyablement bien. Et ça sonne aussi bien que les machines sont à un côté un petit peu militaire, un petit peu brut de décrochage, on va dire. Yes, voilà, yes. Dernière, ce qu'on peut voir ensemble, c'est voir la version qui a été masterisée. On peut écouter le même passage, mais masterisé. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ça a été masterisé à Sterling par Randy Merrill qui masterise la plupart des titres pop, un petit peu Lady Gaga, etc. C'est le successeur de Tom Coyne, qui est, avec qui j'ai déjà travaillé, qui était vraiment excellent aussi. Mmh. Rien que ça. Voilà. Ouais, Tom Coyne, malheureusement, n'est plus de ce monde. Et Randy Merrill était à ses côtés pendant des années et il a pris sa succession. Et il n'a rien à lui envier aussi. Randy Merrill est très, très fort. Est-ce que... Et si on entend, évidemment, que le master sonne mieux que mon mix, qui est heureusement forcément le cas, on entend aussi que le master n'est pas, entre guillemets, surmaquillé et il y a toujours un respect du mix derrière. Ouais, c'est vrai que moi, on m'a fait écouter déjà auparavant et c'est vrai qu'on entend vraiment la plus-value sans souci. Oui. Voilà. On me demande si le mix qu'on entend est mono. Non, on est bien en stéréo. Hein. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est bien de la stéréo, aucun doute. Hein. Voilà. Oui, peut-être qu'il y a un problème de liaison, mais je pense pas. Non. Le contact de Stéphane, il y aura les liens, il y aura tout. Je sais pas si tu as un site internet, je crois pas. Si ? Pas encore, suis mauvais élève, on va dire, oui. Ça. Bah, on est deux. C'est en prévision. Certains de mes copains qui écoutent, je pense, doivent bien se taper sur le ventre. Ouais, c'est sûr, mais bon. Bouche à oreille, c'est la meilleure des pubs. Je ne sais pas si on apparemment prend quelques questions. Bien sûr, avec plaisir. On a répondu un petit peu au fur et à mesure, mais tu as donné déjà beaucoup de choses. C'est vrai que quand on voit, on peut se poser la question, quand on voit tous ces traitements que tu appliques, on peut se dire, tiens, est-ce que c'est une procédure classique ? Est-ce qu'on fait ça un petit peu au feeling ? Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un ingé son quand on reçoit comme ça 150 pistes qu'est-ce qu'on applique je ne sais pas si toi là-dessus tu as. J'ai envie de dire chaque mix est différent et chaque mix est en tout cas un défi à chaque fois en tout cas. Ouais, voilà, tu fais jamais deux fois la même chose j'imagine. Non, parce que les titres sont complètement différents.
parce que l'artiste est différent, parce que ça a été enregistré différemment, en tout cas pour la voix, pour les instruments, parce qu'il y a des directives différentes, parce que le rough mix est différent, parce que les mises à plat sont des fois très très bien et tu n'as pas envie de changer certains éléments. Donc tu essaies juste de les magnifier, ou des fois en fait ça a été enregistré un peu moins bien, on va dire, et à ce moment-là, ben, il va falloir travailler un petit peu plus dessus et sortir l'artillerie lourde. Et ce qui est intéressant, c'est quand on a chacun plein de tricks et plein de bagages et plein de tricks qui peuvent nous aider à justement rattraper une voix qui a été mal enregistrée, ou alors enregistrée de façon trop brillante ou de façon trop terne, ou compressée à la prise. Bon, là par contre, c'est trop compressé à la prise, là c'est un petit peu raté pour le coup, mais des batteries qui ont été superbes bien enregistrées, à part juste faire un petit peu d'EQ et redonner de l'impact, je vois pas ce qu'il y a de faire de plus, en tout cas quand ce sont des batteries réelles, de live. Il y a plein de trucs en fait, d'une basse qui est un petit peu sourde, on peut la splitter, mais j'imagine que tout le Oui, monde connaît après, ce truc, c'est de des la recettes, splitter hein, en c'est de la deux et cuisine. d'appliquer un traitement plus drastique sur une partie aiguë de la basse. En fait, il y a énormément de choses, hein. Mais à mon sens, tout ça doit servir la musique. Hein. Voilà, bah, je pense que ça répond à la question de quand on me demande si je travaille à C'est en tout l'oreille ou cas ce que pas, j'ai bah pu voilà. échanger quand j'ai été, on va dire, sous le coude et sous le. Avec tous les grands ingés qui ont été sympas et avec qui j'ai pu apprendre à leur côté, soit en France ou à l'étranger, pendant des années en tout cas. Combien de temps la totalité d'un mix? Pardon? Combien de temps pour faire un mix comme celui-là? Celui-ci, c'était assez rapide, je me souviens, pas plus de 6 heures à peu près. D'accord. Après, tout est relatif, hein. Encore C'est une vrai que fois, la si c'est France. bien produit. Si c'est bien produit, ça peut aller très vite. Hein. Ça peut prendre 2 jours aussi. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ça dépend des cas, effectivement. C'est sûr. Alors on me redit que mono, mais vous me surprenez quand même. Ils disent qu'on a... Ah bon? Ouais, ça m'étonnerait quand même, diffuser en mono, c'est vrai? Et pourtant, je reçois bien moi je l'entends très bien ici. Bizarre. Bizarre, bizarre. Bon, on revérifiera ça. De toute façon, le son est déjà sorti, hein. J'avais mis le lien du clip YouTube. Le clip, oui, est sur YouTube depuis un petit moment déjà. Ça aurait été intéressant Ainsi que peut-être les autres titres d'Aaron Taylor qui sont d'avoir, sur peut-être, je sais Spotify. pas si on pourrait faire ça, ça peut être intéressant, c'est d'avoir le son mixé et le son masterisé pour voir un petit peu la plus-value, ou même le rough d'ailleurs, pour avoir les trois étapes, tu vois, Si, il faudrait que je demande éventuellement si c'est voir un peu, possible, oui. voilà, tu vois, donc à voir. Alors certains me disent que c'est stéréo, donc je sais pas, ça me surprendrait que ce soit mono quand même. Mais voilà, à moins que j'ai fait une grosse bêtise et que je l'ai pas vu, mais voilà. Bah écoutez, tu nous refais écouter peut-être le comment dirais-je? Le son pour terminer, pour se quitter en musique, on va dire ça comme ça. Bien sûr. Et puis je mettrai les liens, voilà, ton contact et tout, s'il y en a qui veulent te contacter, etc. etc. Que dire de plus? On continue la conversation sur comment ça s'appelle? Sur le groupe Facebook, sur le Discord que j'ai mis en place. Et puis voilà. Et puis merci à toi. Ben, avec grand plaisir. Voilà, c'était Merci un vrai pour ton plaisir invitation. de. Ben voilà, ben avec plaisir, merci d'avoir répondu. Et puis je reviendrai te voir quand on sera déconfiné dans ta région. Je vais Oui. refaire un petit peu des plans de ton studio, voir un petit peu tout ça. C'est vrai que c'est une situation un petit peu particulière pour tout le monde. Ouais, c'est sûr que. Bon. Voilà. Mais bon, que veux-tu? C'est bien mono, ben décidément. Faudrait que je regarde. Par contre, ce serait Ah bon? dommage que. Ben ouais. Alors, il y a peut-être un truc qui m'a échappé, je ne sais pas. Bon, de toute façon, toute la description
du setup, c'est surtout ça qui est intéressant. Et après, c'est mono. Ah ben voilà. Eh ben voilà, je sais pas. Je regarderai. Bon, c'est pas grave. Eh ben on le refera, tiens. Marc, il y avait trois titres. Ça peut, ah bon, ça, on pourrait voir. Non, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas vu. Faudrait que je réécoute. Non, tu es de Toulouse. À côté de Toulouse, oui, absolument. Toulouse, voilà, je pense qu'on entend suffisamment mon accent. Oui. Moi aussi, il paraît que j'ai un accent ardèche, mais bon, je sais pas, je m'en rends pas compte. Bon, Stéphane, en tout cas, merci. Merci à toi, Nicolas. Merci à tous. Ben voilà, on était un petit groupe, c'était bien sympa. N'hésitez pas, voilà, groupe Facebook, tout ça, etc., etc. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Je vais du coup. Ouais, on va s'écouter. Là, je regarde parce que moi, j'ai bien. Vous me direz si c'est mono ou stéréo. Des fois, c'est à cause d'OBS, peut-être. À moins qu'on passe par un streamer externe. Alors, il ne faudrait pas que ce soit lui qui soit mono. Pourtant, non. Bref, je ne sais pas. C'est du direct, c'est pas évident de faire ça, mais bon, en même temps, c'est tellement bien de faire ça. Mais bon, voilà. Ou certains navigateurs, peut-être. Je sais pas. J'espère que c'est pas YouTube qui nous embête. Non, il n'y a pas de raison, YouTube. Bon, bref. On verra ça après. Non, YouTube est très gentil. Voilà. Bon, Stéphane, merci. Merci à tous d'avoir écouté. Ben voilà. Merci à tous. Moi, je continue. Il y aura d'autres petits événements. Il va se passer des choses très rapidement. Je prépare un truc certainement dimanche avec un ami à moi qui va nous parler des micros. Ça va être vachement sympa. La directivité des micros, ça va être intéressant. Stéphane, merci. Tu nous fais écouter le son pour finir. Comme ça, on verra si on est bien en stéréo et tout ça, etc., etc. J'ai réécouté. Ah. C'est parti. C'est parti. Merci. Bonne soirée à tous. Merci Stéphane. À plus. Ciao, ciao. Avec plaisir.
for me to write back feels like a heart attack. I love the kitty, you love the game I'm playing. Cause when I make you so impatient, when I come over there's no hesitation. You are the only.